Alors, ça c'est fait, on est super content. C'est génial. Une nouvelle médaille. Je pourrais tester. Sous terre, c'est déjà fait. Expert. Oh, c'est déverrouillé. Flaque boueuse. Hashtag aïe. Hashtag aïe. Allez, champ de maïs. Mais je crois que le champ de maïs, il est honteux ce niveau. Ouais, en fait, t'as plein de champs de maïs et faut les déverrouiller pour super cher. C'est une putain de honte. Attends. Et en plus, ça bloque la vision? J'ai pas envie de la jouer. Les gens, j'ai bien réfléchi, j'ai pas envie de la jouer. Ok, c'est parti. Je pense que ça va jouer Lico, hein. Je pense que ça va jouer Lico. J'ai bien réfléchi. Ok, c'est bon. C'est bon, je sais. Je vais jouer l'hélico, je sais comment. Là, je vais mettre un village pour les booster. Et là, je vais mettre des hélicos. Et en plus, mon premier hélico, il coûte moins cher, il coûte que 810. Et l'early game, je le carry avec des épines. Là, faut que j'attende pour mon premier hélico, en fait. On est sur un early game hélico. Vu qu'il est divisé par deux, son prix, ça peut le faire. Et j'abuse des épines. Storm Shadow 79, merci pour les 6 mois de tier 3. Merci beaucoup. Et Benzac, merci pour tes 8 mois de resub. Je sais pas si je t'avais dit. Ok. Premier hélico de placé. Bon, c'est genre giga chiant parce que j'ai pas le mode poursuite, hein. Awesome. Bon, bah là, j'économise comme le poursuite. Attendez, what the fuck? Non, c'est une dinguerie par contre. Regardez l'animation de malade. Quand le niveau se démarre, la petite porte s'ouvre. Quand elle se termine, la petite porte se ferme. Regardez bien. Soyez attentifs. What the... Oh! Et là, je... Oh! Non, c'est incroyable. Tellement d'efforts. Fléchette quadruplée. Vivement le mode poursuite. C'est si chiant de devoir le diriger. Allez, je vais avoir le mode poursuite. Let's go! Il fait tout seul maintenant. Bon, le problème c'est que si je veux de la place, bah je dois payer. Ça coûte 700. Nice. Ça coûte. Ouais. Est-ce que je peux mettre un ninja peut-être? Ouais, histoire de lutter contre les fufus, faut pas les oublier. Non, pas des fusillades rapides, là il faut vraiment de l'espace. Tu sais quoi? Allez, j'investis. J'investis dans de l'espace. Et là, je vais investir dans des bananiers. Je vais avoir besoin d'argent. Nice. Il faut investir. Il faut que j'investisse dans des bananiers là. Et avec le rendement économique. Que je déverrouille un peu plus d'espace, genre ici, pour faire une grande piste d'hélico. D'hélico qui sont du coup buffés par un village.
Ok, ma première banane. Tiens, je peux mettre un ramasseur. Attends, mais si je mets ramasseur, je vais peut-être pas pouvoir mettre une deuxième banane. On prend le risque. Ok. Je le fais passer en tier 2. Voilà, et maintenant il me faut une autre bananier. Enfin, un autre. Tu veux mettre un village ou si tu veux booster l'hélico à la base où se trouve l'hélico? Moi je pense que pour booster un hélico, je suis pas sûr hein, mais ça me semblerait logique qu'il faut tout simplement être dans la range de la base de l'hélico, tu vois. Genre faut que le village soit dans la range de la base des hélicos. Et c'est tout. Tiens, je vais pouvoir mettre un là. Ah, l'hélico il déconne pas hein. Après normalement l'hélico tu peux pas l'avoir en early, mais là grâce à mon point qui divise le prix de ma première unité militaire, bah ça fait vraiment le taf. Ok, j'ai deux bananiers améliorés. Je pourrais augmenter la vitesse de frappe. Voilà. Et là faut que j'investisse dans du terrain. On va mettre ça aussi. Voilà. Pour tous les fufus. Pour ça que j'ai investi dans ce mec là. Faut que j'investisse là. Là, je vais déverrouiller cet endroit-là. Mais il va me coûter cher. Et faut pas que je le fasse maintenant, parce que faut que je me prépare à la vague Moab qui arrive. Du coup, faut plutôt améliorer l'hélicoptère en réalité. Ouais, rotor rasoir. En plus, j'ai pris une amélioration sur rotor rasoir. Hop, ça prend rotor rasoir. Et ça va améliorer le chouï, enfin le ninja. Je pense même que ça va encore améliorer le ninja. Ouais, je devrais avoir mes 3000 avant. Et je pense que c'est le meilleur investissement que je peux faire d'ici là. Ouais. Hey, salut à toi, Julien. Eh bien oui, tu sais, je passe le temps en attendant la prochaine saison de Pass of Exile. Mais ça va, c'est dans plus trop longtemps, là. Elle sort quoi, le 7 à 20h, 21h? Ok, là va y avoir. Ok. Ok, le terrain est déverrouillé. Là, on va parler. il me faudrait un deuxième. Il me faudrait village là au milieu. Genre deux bananiers là. Tac, tac, tac. Ouais. Il me faut ça. Très déçu de ne pas t'avoir vu à tour d'ailleurs, Gibbs. Après, tu étais. Tu étais un tennisman. Awesome. Tu étais dans le tennis. Ok, donc ça, sans souci. Maintenant, on va préparer un autre singe ramasseur qu'on va aller placer ici, du coup. On va mettre deux autres bananiers. Jozo, merci pour ton prime. Ok, voilà. Et là, faut penser à un village. Un village que je vais placer ici qui servira à booster 4 hélicos. Ouais. 4-0-2 avec les augmentations qu'il y a ici. À 22h, j'étais tout à plat, je me suis endormi direct. Ouais, t'inquiète. Une prochaine fois. Il y aura des prochaines fois de façon. Alors maintenant, pour voir les fufu. Et là, ce serait bien. Rotor rasoir sur celui-là. Et là, là, j'économise 22 000. C'est quoi? Joline l'économie là. Je tente déco jusque 22 000. On va voir si je meurs pas d'ici là.
Pour le moment, ça tient. Feel nature's cry. Combien ça? 21 000. Ouais, ça devrait le faire. Faut juste pas que je me tape des fufus blindés entre temps. Si je me tape des fufus blindés entre temps, c'est Doomed. Mais sinon, c'est bon. J'ai décidé que je faisais cette stratégie là, c'est comme ça. Ça les démonte tellement les mobs. Le druide, OP. Le druide, il mérite que je lui achète un skin. Avec de l'argent que j'ai gagné en jeu, du coup ça va. Ok, boum. Et là regardez, là j'ai un turbo. Là j'ai un turbo destructeur en hélico. Et là on parle. Regardez cette mitraille. Comment je le booms. Tiens, ça va en mettre un autre. Tac, 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 tac. Et là, bah, ça devrait être win. Je vais juste faire en sorte de le faire passer en 21 000 lui aussi. Et voilà. Et si j'ai le temps, celui-là, je le ferai passer en 50 000. Pour avoir l'hélico à moindre prix, c'est dans les améliorations militaires. T'as un truc pour ta première unité militaire, donc ta première tourelle parmi celle-ci, soit divisée de moitié. Et t'as un autre truc derrière qui fait que tous les trucs militaires coûtent 5% de moins. Ah, j'avoue, je pourrais économiser ça. Le chef Apache fait regretter au plus d'avoir jamais été gonflé. Ça donne envie de l'acheter quelque part. C'est quoi, je vais l'économiser. Regretter au plus d'avoir jamais été gonflé. En vrai, l'hélico dans son principe, je trouve ça assez OP quand même. Je trouve que c'est une tourelle assez incroyable. Nice. Allez, plus que 30 000. Nice, un nouveau point. Je me rapproche de la puissance. Ça commence à se corser un peu. Mais normalement ça devrait le faire. J'ai besoin de plus d'argent. Allez, plus de 18 000. C'est ça que je veux. Le chef Apache. J'aurais large. Comme dans les codriens, si vous combinez au métal chimiste, ça fait bugger les booms, manche en 50 plus et tu restes stuck. C'est pour ça qu'il y aura une baisse, la poursuite ne sert à rien. Oh mon dieu, mais c'est terrible! Un coup dur pour l'e-sport. Oh,
Allez, je l'aurai pour la dernière manche. Enfin, pour les dernières manches. Plus que quoi? Plus que 4000. J'ai tellement hâte de voir ce qu'il vaut cet hélico, je l'ai jamais acheté. J'ai hâte de voir son design aussi. Ça très bien, Lenibar. Merci de demander avec des Ricardo. Bon, il est temps là. Boum, chef Apache. Allez, montre-leur. Je t'ai pas payé 50 000 pour rien. Ta 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 ta. Attends, mais il les démonte en fait. Genre, ça avance même plus. Je peux même plus voir les trucs quitter cet endroit-là. Ils sont juste tout med. Ah ouais, clairement. Il leur fait regretter d'avoir été gonflé. L'atomisation est totale. C'est wins. GG à tous. Encore une grande victoire pour l'e-sport en France. Alors, militaire, il faut que j'aille chercher ça. Boum. Coup de base de tous les singes militaires réduit de 5%. Boum. Ça, je le veux. Maintenant, il faut ça, ça, pour enfin avoir ça. Skin. Il me fallait un skin pour mon héros. Ça, c'est les fameux héros payants. Mais moi, m'en fous. Moi, je joue le druide. Le druide, c'est mon meilleur pote. C'est quoi le druide? Je te donne un skin. Let's go. Le skin du druide est sélectionné. C'est parti. Alors. Qu'est-ce que ça a à faire maintenant au niveau de l'XP? Ouais. Ralentis un peu, là, les gains de niveau, quand même. Péninsule. Je pense qu'il est temps que je règle mes comptes avec cette map. Ça fait trop longtemps qu'elle se moque de moi. Faut que je lui fasse comprendre. Je vais te faire comprendre. Stronger. C'est pas exactement la même voix. Je crois qu'on est parti pour Ok, ouais, je sais. J'ai bien réfléchi et j'ai tout compris. De rien pour cette victoire, les gars. Alors, ça va commencer par un petit singe boucanier. Ici, avec une plus longue portée. À qui on va mettre ça? Ah, ils ont fait les petits nouveaux effets et tout. Ils ont même fait. Ouais, c'est même indiqué quand tu cliques dessus. Et franchement, franchement, bête de skin. Incroyable. En fait, il est plus en mode marin, tu vois. Plus en mode plage, en mode étoile de mer, en mode corail. Le Petoul, merci pour ton prime. Oh, Bloody, merci pour l'abonnement à Toxico. J'avais pas vu, excuse-moi. Je devais être à fond dans mon e-sport. Merci beaucoup, Bloody. Tiens, on va mettre ça, on va lui mettre tir brûlant aussi. Les navires de commerce, on veut les navires de commerce. On veut ça, on est super content. Maintenant, on veut grid un bananier.
faux gris des bananiers. Non, bah non, pas des bananiers, des navires de commerce. On veut des navires de commerce sur cette map. Des navires. Mais avant toute chose, un petit sous-marin. En vrai, le petit 5% de moins, il fait plaisir. Hein. Je le ressens, ce petit 5% de moins. Je vais lui mettre ça. Voilà. Et là, on est super content du coup. Ouais, j'ai bien réfléchi, ouais, c'est bon. Je sais comment gagner. Il faut juste que je fasse les choses dans l'ordre. Et on est bon. Kramorak, merci pour les 8 mois de resub. Non, ça va. J'ai pas trop rêvé de PoE cette nuit. Ta gueule, yaourt. Killer, merci beaucoup pour les 2 mois de tier 3, mec. Stop them. Merci beaucoup, mon con. Mon con. Merci beaucoup, mec. Tier 98, c'est terrible. Stop them. What? Mais pourtant, j'avais gagné. Ok, tu veux la jouer comme ça? Ok. Il faut des navires de commerce là. Ok, mon premier navire de commerce. C'est un grand moment dans l'e-sport français. Et un autre. Et encore un autre. Pour l'argent. Et lui, il faut l'améliorer pour la manche moab. Mais en attendant, je peux upgrade ce mec là. Tu détectes comment les fufus avec ces navires là? Oh, regarde, pour faire un navire de commerce, je suis obligé de passer par nid de corbeau. Nid de corbeau égale détection des fufus. Ouais, ça va griller un autre navire de commerce, je pense. Allez, ça le grid. Et maintenant faut penser à ça. Parce que c'est ce mec là qui va tuer le premier Moab. Faut pas l'oublier lui. La cam. Ok les gars. What? Ok, je deviens une colline. Je suis maintenant une colline. D'accord, on va lui mettre tir en grappe. Tir brûlant. Allez, toi c'est parti, toi on te met en navire de commerce aussi. Ce sera le troisième. Tranquille. Tranquille. Ok. Alors pour les améliorer. Ouais. Celui-là je le fais passer en commerce privilégié. C'est décidé. Un investissement de 6000. Ok, c'est super. Maintenant.
Maintenant, il faut penser au futur de l'e-sport. Et le futur de l'e-sport, il est là-haut. Il est ici, le futur de l'e-sport. Ici. Il est exactement ici. Mais avant, on va penser au commerce. Ici, pour la détection des fufus aussi. Voilà. Voilà, notre navire de commerce, c'est super. Ouh, il y a des trucs qui sont passés là. Ok, je viens de me faire un peu ouf, je dois réagir. Ok. Le anti-ouf est en place. Toi, on va te mettre le navire de commerce aussi. Et en fait, mon but, c'est d'avoir un... What the tentacules ! C'est d'avoir un hélico surpuissant ici. Ouais, je pourrais pas en mettre deux. Bah du coup, le but, c'est d'avoir un hélico qui est capable de voir le fufu, qui tape super vite et full amélioré. Et voilà. On va tout baser sur ça. Je joue Pixess, merci pour les 4 mois de Prime. Salut mon grand œil. Il a quoi le héros? Il est skinné, il est tuné. Ah ouais, regardez, il a mis un truc sur sa tête. Je sais pas mec, il a rajouté des trucs sur sa tête depuis qu'il a amélioré, je sais pas ce qu'il lui prend. Ok, ça commence à être la merde là. J'ai vraiment besoin qu'il passe en amélioration à 21 000. Allez hop hop hop, j'ai besoin d'argent là. Et voilà, GG. Ah là, 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 ça va aller beaucoup mieux là. Et maintenant, j'économise pour le chef Apache. Unleash the Kraken? C'est ça que tu viens de dire? Génère plus d'argent à chaque manche, augmente l'argent obtenu par jusqu'à 20 autres navires de commerce par le nombre de navires de commerce. Ouais, j'avoue, j'ai besoin de plus d'argent. Pour faire des sous, j'ai besoin de sous. J'ai besoin d'investir des sous pour faire des sous. Allez, on veut de l'argent là. Besoin de sous pour avoir des sous, bienvenue dans la vie de riche. Ah, c'est cette vie et pas une autre. C'est de l'argent pour avoir de l'argent, vive l'argent. Ok, boum. Ok, ça c'est fait. Ok, là je pense que...
pense que c'est la grande économie là. Là, à partir de maintenant, c'est la grande économie pour le super hélico. Trop peu de nouvelles. Regarde tous les navires de commerce qu'il y a. What the fuck, bro? 1, 2, 3, 4, 5? Non, moi je dis au calme. T'inquiète. Il t'en faut 20. Ouais, toi tu dis des trucs de mode endless aussi. Enfin, 20 en 80 manches. 20, mec! T'es tout foufou là! Je veux bien qu'il en faut peut-être un peu plus, mais 20! 20! 20, bro! Ça fait beaucoup là, non? Là, regardez, l'argent monte, l'argent monte, l'argent monte, l'argent monte. Le chef Apache se rapproche. Et là, boum! Unleash the Kraken! Dommage que tu peux pas mettre ta tête dans l'hélicoptère et que ça suit l'hélicoptère dans ses déplacements. Mec, ce serait tellement troll. En vrai, ce serait épique. Ce serait vraiment très très troll. Si, la pâche est clairement possible. C'est même au calme. Ne t'en fais point. Et boum, l'argent. Ouh. Ouh. Attends. Je peux payer le jeu pour continuer? Je paye. Je te vends. Je t'achète. C'est pas de la triche, j'ai payé, ça fait partie du jeu. Let's go, Sea Wins! Ah, et en plus, le prix va être amorti avec la victoire et je vais quand même être gagnant au final. Let's go! En fait, j'aurais juste dû vendre mes bateaux de commerce un tout petit peu plus tôt et c'était gagné. Ah là là, vive l'argent! N'en déplaise, orageux! C'est quoi? Ça va même mettre un super bon là. Et voilà. C'est win! 600$, je suis gagnant, GG à tous. Tildoumed, merci d'avoir donné un sub, mec. Ah, mais tu as donné plusieurs subs d'un coup en réalité. Merci beaucoup pour les 3 abonnements que tu viens de donner, Childoumed, mec. Merci à toi, mon grand. Allez. Allez, c'est parti, j'ai un point de compétence à prendre, là. Regardez. Regardez dans les connaissances. La militaire. Tac, tac, tac. Plus que 3, plus que 3, et on est bon. Et là, VXP, en une map, je vais prendre un point de compétence et un peu plus du prochain. Je pourrais... Alors ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai une seule map avancée à finir, c'est la haute finance.
Du coup, je vais aller en haute finance. J'ai rigolé, Ace, merci beaucoup pour les 3 mois de Prime. Attends. C'est honteux! Encore une map de la honte. C'est quoi cette merde? Ok, quel est votre chemin? Ok, vous voulez jouer comme ça? D'accord. Bah, je crois que hélico. J'ai bien réfléchi et c'est une hélico map. Allez. Let's go, il y a sa pile là-dessus. Stop them. Quoi? Mais c'est là. C'est honteux ce niveau. C'est une putain de honte. Je suis pas du tout d'accord avec leur principe là. Non mais elle est à chier cette map. Bon c'est pas grave. Malgré vents et marées, je vais la réussir sans encombre. Ok, j'en ai marre. Elle me pisse à la gueule cette map. Bon bah. Quoi? Ça a aucun sens. Bon bah d'accord, bah je peux construire sur ça du coup. Attends une petite minute. Quoi? Allez. Target. Allez. Fini. Je veux pas. Je veux pas. Allez. Ça va dans les maps experts. Non mais là, mais qu'est-ce que c'est que ça, la haute finance? Je t'en foutrais de la haute finance. C'est quoi ça? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, sombre château, let's go, un château! Et en plus, il est sombre! Pouah, let's go! Ok. Je vais tout donner pour combattre ce sombre château! Par tout donner, j'entends abuser des sous-marins. Let's go! Nico the Slayer, merci pour les 10 mois, mec. Yazaburo, merci pour les 2 mois de resub. Tu peux mettre ta cam dans le château, mais avec grand plaisir. Je vais me mettre dans une tour. Voilà, je suis là. Et là, du coup... Oh, mais ça pue! NP, je sais comment ça va le faire. Est-ce que je peux les mettre sur le rempart? Je crois pas, mais je vais aller check. Navis 38, merci pour les 9 mois. De resubs. Effectivement, Aldouille. Aldouille, enfin, tu peux les mettre sur les remparts? Bah alors, Aldouille, tu vas faire ça.
Aldouille. Tiens, avant, on va mettre un ninja comme ça. Là, on veut améliorer les sous-marins. Les bananiers, on les mettra là. La petite ferme de bananes ici. Petite ferme de quinoa. Allez, hop, 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 renseignement activé. Et là, on parle. Là, on clear. Ok. Ok, là je pense que je suis bien. Là je pense que je peux grid mon premier bananier. C'est un premier bananier qui va être récupéré de mon côté. Ok, le premier bananier va être placé. On va même abuser de la range. Non, tu sais quoi, on va le mettre là. On va le mettre là. Et là, il y a mon petit père. Putain, je dois en racheter. Satané pauvre. Ça fait quoi ça? Un gros tas de herbes prêtes à utiliser au cas où tu en as besoin. Alors ? Allez ! N'en déplaise orageux, c'est des bonus que j'ai gagnés, j'ai le droit de les utiliser. Alors on va mettre ça. Ah, le pont-levis est bien défendu là. Oh, Rock là. La saison de Pass of Exile c'est le 7. J'essaie de m'occuper comme je peux en attendant hein. Ça va maintenant. Mais t'inquiète, la saison c'est le 7. Parce que là je pleure tous les soirs dans mon lit. Le ranch ne me console même plus. C'est terrible. Tu te rends compte, Erok? Même le ranch ne suffit plus. Production accrue. Tiens, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça. Ça va, ça va, ça va, ça va faire pleuvoir des bananes, en fait, tout simplement. Ça, c'est vraiment très très fort. Ce pouvoir-là du héros est incroyable. C'est si fort. Allez, on lui met deux améliorations, puis après j'augmente les sous-marins. Ha 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 ha.
Et bonne réponse. Comment es-tu devenu modérateur Twitch? J'ai postulé pour le travail. C'est ça que j'aime bien, ça. Voilà, ça, ok, je suis totalement prêt à affronter le vilain, le terrible. Comment ça s'appelle déjà? Moab. Big Blue, handle it. The oceans have no equal. Easy, easy. Ok, donc là, je vais en mettre tout plein là. Ça va être la ligne de défense. On va leur mettre un petit village pour les booster. Voilà, exactement. On va en mettre 3 en fort. Les 2 seront en premier. On va leur mettre des trucs comme ça. Et on va préparer ça, comme ça ils pourront voir les fufus blindés. Et je serai bien. Ok, il y a de la bonne mitraille là. Stronger. Je les mets tous en 2-0-2. Et après, bah, je ferai comme d'hab quoi pour les snipers. Ça va jusqu'à quoi la range? Ouais. Bon, elle devrait être win celle-là. Alors que c'est une expert. Je comprends pas, c'est une expert et elle est beaucoup plus facile qu'une certaine avancée. Dont on ne citera pas le nom. Enfin, elle est beaucoup plus simple. Tac. Ah. Ok, tout le monde est en 2-0-2, c'est super, j'adore l'e-sport. Quartier financier, oui, cette horrible map. Big Blue. On va en placer ici afin d'augmenter un peu la range des petits sous-marins. Et maintenant ça va ouais, je sais pas en fait. Ça va leur prendre des fusils auto. Ah! Il le dit tellement vénère! Les bananes pensaient qu'au trop tard! Ça sert à rien de me dire les bananes, elles mangent 53! Mais enfin! Paysan va! Paysan! Espèce de paysan! On va améliorer ceci. Et prendre ça pour stun les Moab. Ramasser les bananes. The oceans have no equal. Why? Mutilateur de Moab. The ocean provides. Ok, ça y est, ça c'est fait. Wouhou! Niveau suivant! Wouhou! De l'argent! The
getting bigger. Quel manche, 62 sur 80. Y'a que moi qui entends des bruits de vaisselle dans le jeu. Non, y'en a parfois. Y'en a parfois, c'est vrai. C'est vrai, t'es pas fou, t'inquiète. Ça recommence. Vietalf, merci beaucoup pour les 2 ans de resub. Excellent. Right. Ouais, je vais peut-être faire un peu plus de quoi. Oh, je viens d'avoir une idée! Une idée! De ouf! Mais comment ça, Karma? Vous voulez quoi avec Karma? C'est honteux de me dire Karma, c'est honteux! Je suis un être si pur! Je suis un être si pur, bordel! Et vous osez me dire Karma? C'est dégueulasse! Je suis pur, je suis blanc comme neige! Et vous osez me dire karma? Alors que je pense que 50% des viewers sur ce live font des choses dégueulasses! Des choses horribles, innommables dans leur vie! Et ils osent me dire karma? Oh vas-y, c'est dégueulasse. J'en reviens pas. Me dire karma à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi? Tu peux que me dire karma quand il m'arrive quelque chose de bien. Parce que dans ce cas-là, bah ouais, c'est mérité. Vu que je suis une bonne personne, bah je le mérite. C'est le seul moyen de me dire karma en fait. Genre je drop une exaltée sur Pass of Exile, karma. Karma parce que je le mérite. C'est terrible. Genre mettons, si à la nouvelle saison, j'arrive sur la plage, je tue Ilok et Ilok il me donne un miroir de Kalandra, bah karma, parce que je le mérite. C'est dingue, je vais tout vous expliquer. Tiens, fléchette quadruplée, et on lui met le mode poursuite aussi. Alors... on est sur une stratégie hélico-héli... Ah, ça me gratte le nez. Ah les gars, c'est terrible. Ah ok. Ah putain, ça va pas bien là. Ah ok. Target. Serait pas mal d'avoir le premier bananier à moitié prix. Non, le premier bananier est gratuit, comme ça je peux l'avoir direct. Ok. Et maintenant je vais aller chercher le petit père. Le sale pauvre que je vais mettre ici. Ok. Ouais. Ouais. Et là on va l'améliorer.
On va au moins lui mettre ça. Et ça repart. Oublie les sous-marins, c'est une map banane. Une map banane. Une map only banane, tu me dis? Non! J'ai rien contre les foufous. Je ne me suis pas préparé aux foufous. Il me faut des anti-foufous. Ok. Stronger. Tiens, on va lui mettre ça. On va lui mettre ça, il pourra bien aider. Et on va acheter une banane. C'est quoi, j'en grille une autre? Booster des mieux ou moins bien que le 6. Ils ont différents points forts et différents points faibles. Moi je trouve que les deux sont bien. Je t'avoue que je prends plus de plaisir sur le 6 que sur le 5. Ok, faut prévoir ça. Tac. Tac. Ça prépare dur là. Tac. 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 Je suis en pleine préparation. Check de wood, merci pour les 6 mois de resub, mec. Alde, recherches-tu un colocataire? Tu es 6 en goûtant. Eh bien, non, je ne recherche pas de colocataire. Ok, ouais, Il me faudrait ça. Ok. Ok. Big Blue, handle it. Quoi? Mais ma stratégie était parfaite! Ma stratégie était pourtant parfaite! Comment ça a pu se passer? Ah, attendez. Bon allez, on repart sur une autre map les gars. Mais je vous passe l'early game parce que c'est un peu chiant. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ok, voilà. Ok, donc nous y revoilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire du coup? Comment on va le faire celle-ci? On va prendre ça du coup. Et hop là, c'est parti. Stop them. Je m'en fous! Je m'en fous, j'arrêterai pas! Ok. Ok, tu sais quoi? Attends, toi t'as quoi comme portée? C'est quoi? C'est quoi? Banane là. Ok, maintenant il faut ça. Ok, maintenant le power spike économique est total. Ok. Du coup, on coupe la forêt. Quoi? Tu peux couper la forêt?
Mais... Nique... Nique la forêt. Tiens, tu vas voir la forêt, tu vas voir ta gueule. Toi. Ok. Ok, ouais, ok. Ah, let's go, je la détruis cette forêt. Fuck l'Okinoa. Fuck les bananes. J'espère que tu perds, sale cheater. Perdre? Mais enfin, je ne peux pas. Frisco78FR, merci pour les 9 mois de Prime, mec. Perdre! Mais enfin, j'ai de l'argent! Je ne peux pas! Big Blue. Handle it. Ah. Allez, faut que j'améliore un hélico. Là, regarde ça, la balle scalpeuse, la boum, ça que je recherche. Excellent. Tiens, on va vous mettre ça quand même à bout osu. Tout cet argent. Et boum! Et ça va en chercher un autre, le bibi! Et tu sais quoi? Nique la forêt! Allez, y'a quoi maintenant, les arbres, hein? Et hop là! Et hop là! Et vous êtes tous détectés maintenant, hein? Yes! Yes! Et vous avez vu ça, les gars? J'ai pas perdu une bille, hein? Y'a rien qui est passé depuis le début. On est dans un niveau... mode expert difficile. Juste regardez et apprenez. C'est ce qu'il faut. Tu sais ce qu'il faut. Il faut un méga bro ici. Pour Let's Go Baskill! Merci beaucoup pour les 5 subs que tu viens de donner, mec! Tu vois, dans ce genre de situation, là on peut dire karma! Eh ben oui! Eh ben merci beaucoup, Baskill! Merci, mon grand! Et la boum, plasma! Je prie pour que tu perdes. Pour que tu perdes. Petite merde. Gros loser. Le vrai big boy cherche à s'élever. La petite pute cherche à rabaisser les autres pour les mettre au même niveau qu'elle. Une petite pute. Choisis ton camp. Hein? Big boy ou petite pute, à toi de voir. Just flexing. Flexing hard.
Ok, ok. Ça va mettre un deuxième hélico full amélioré. N'en déplaise à tous les haineux, les jaloux et les envieux. Hirschi, merci pour les 11 mois de karma. Merci beaucoup, Hirschi. Allez, il m'en faut un autre là. Sac à nard de force, sac à nard de dur, il me faut un avatar du dieu soleil avant que ça se finisse. Genre, je vais rentabiliser encore un peu les bananes et je vais pas tarder à les vendre. Where did I go wrong? I lost a friend and up all night with you. Save a life. Ouais, let's go. Regardez ça, regardez ça, regardez l'oseille. Regardez l'oseille! The Kraken! Allez, je vends. Je fais de l'argent et je vends de l'argent. Oh d'ailleurs, oh putain, j'ai une chanson à vous faire écouter là en finissant le live. Oh, j'ai une chanson, les amis! Rien que pour vous! On pourrait rajouter des petits ouais. Voilà. Un petit comme ceci. Finissant celui que début du live, Aldé. Ah, faut que j'aille manger. Ah, moi je suis un streamer qui mange. Je sais que le peuple français commence à être habitué à un certain streamer qui ne mange pas et qui ne dort pas, mais moi je... Non, je... J'accepte ma condition d'être humain. Wouhou! Récompense 800! Et j'ai seulement dû payer 400 pour le faire, donc je suis gagnant! Totalement gagnant! Easy, easy! Easy! Putain, hashtag aïe. Cours d'honneur. Sombre château, c'est fait. Ouais. Mouais. Allez, moi je vais faire un hashtag aïe pour finir. Allez, ça finit par un hashtag aïe. Hashtag aïe aïe aïe. Alors, il y en a qui passent comme ça et d'autres qui passent comme ça. Faut faire un early game au sous-marin, faut mettre le héros un peu plus tard. Ok. Ok. Ok, il m'a l'air d'être big ouf ce niveau. Je vais attendre pour avoir le héros. Ok.
mon héros. Ok, je le place là. J'ai décidé. Il sera placé ici. Petite banane. Petite banane là où je suis. Là, vous me voyez ? Eh oh ! Bah là, il y aura des bananes. Il fait beau et il y a du soleil. Il fait chaud et il y a de l'oseille. Il fait nuit, il y a les étoiles. Je me tire, je me casse. Non, je me tire, je me dis, je me dévoile. Ok, là, ils arrivent à toute berzingue. Ils arrivent par ici et par ici. Il faut garder ça en tête. Ça permettra à mes sous-marins de les voir lorsqu'ils pop plus tard avec les améliorations. Donc là, par exemple, je mets ça, boum. Ouais. Ah, petit doigt. Merci pour ton deuxième mois de Prime, petit doigt dans le cul. Je viens vous faire part de ma nouvelle drogue, mais je pense que la nouvelle drogue, c'est la nouvelle drogue de beaucoup de gens. C'est la vidéo d'un individu noir, imposant et swag. Et en fait, il te regarde droit dans les yeux et il te lâche des... Là c'est... Ah, je l'aime trop lui. Ah, je l'aime vraiment trop. Franchement, si vous connaissez pas, vous connaissez rien en fait. Ça fait des mois et des mois que je le connais. Mais là, il commence à exploser en popularité. C'est dramatique, enfin, c'est quoi? Vous connaissez pas ça? Vous connaissez pas Pass of Exile? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là concrètement? Y'a quoi à faire? Y'a rien! C'était... Oh, est-ce qu'on ferait pas de l'argent? Il fait beau, il y a du soleil. Attention aux blindés. Yes. Ouais, tu dis vrai. Les blindés, les putains de blindés de merde, là. Il fait beau et il y a le soleil. Ah ! Ok. Il nous faut des snipers. Ah, il faut que je me mouche aussi. Ok. Ok. Priorité forte, monsieur. Balle blindée. Je te mouche avec du PQ. C'est pas du PQ. C'est du triple épaisseur. Je sais pas, je suis enrhumé. Je suis tombé à court de mouchoir. Ça va, ça arrive. Hein. Faites pas genre, ça vous est jamais arrivé.
Ouais, faut des bananes là, faut penser aux bananes, faut penser à l'avenir, faut penser au futur. Ouais. Amélioration, attends, laisse-moi deviner, y'a plus de pauvres. Putain de pauvres. Vous savez ce qui est horrible? C'est pas les pauvres. C'est les pauvres qui demandent de l'argent. Tu pourrais le faire gratuitement, ça. C'est pas correct. Non, non. They are leaking. Ok. Ok, faut renforcer la défense. What? What? Mais c'est un truc de fou! Oxids, merci pour les 7 mois de resub. Fléchette air, let's go! Hydrazan, merci pour le prime. Hydrasan plutôt. Tiens, boum. Boum. Ça renforce les défenses là. Mais j'ai besoin d'argent. Au pire, si je galère pour la fin de niveau, je peux payer. Excellent. Big Bloom. Handle it. Stop them. Ok, plus que 5 points de vie. Tranquille, vous savez quoi les gars? Eh, je suis pas inquiet. C'est quoi? C'est quoi, j'ai même grid pour l'économie. Pour bien montrer que... que je suis là, je suis en place. J'ai aucune peur, aucune peine. Décès dans deux manches, yaourt. Comment ça, décès? Tu n'as jamais entendu parler d'immortalité? Tiens, on va faire ça pour augmenter la vitesse d'attaque. Allez, tout ça s'est augmenté en vitesse d'attaque. Let's go. Ça va rajouter des petits snipers. Eux, ils sont en forte. Allez, ça repart. Parce qu'en plus, en plus, je ne peux pas. Je suis gagnant, je reste gagnant même en faisant ça. Parce que les sous que me rapportent le niveau, bah au final je gagne de l'argent, du coup worse. N'en déplaise orageux. Je tape sur les haters. Je tape sur les rageux. Pichoun, merci pour les 4 mois. Kliyun, merci pour le prime. Regardez, full life, y'a rien qui passe les gars, rien du tout. Est-ce que vous faites ça dans vos games? Non, 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 je crois que dans vos games, y'a bien les trucs qui passent, hein. Mais chez moi, ça passe jamais. Alors, il faut que je... Ouais, comme ça. Happy Saucisse, merci pour le prime. Et là, boum, regardez ça, regardez bien. Oh, Balkany, tu forces avec tes navires aussi, là!
Ça va aussi. Tu fais de la propagande. Forcément, je suis obligé d'ignorer. Ça va aussi là. Dictateur va. Unleash the Kraken. The crack. Grrra. Wow, Pascal, merci d'avoir donné un abonnement à ce sale pauvre de Kyrionx. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup, mon grand. On est plutôt bien, là, hein. Je dirais même qu'il fait beau et qu'il y a du soleil, hein. Mori Minot dans 5 manches. 5 manches. Tu crois vraiment que moi, quelqu'un comme moi, je vais perdre? T'es un malade. L'été arrive, content de cette magnifique saison. Non, je m'en bats les couilles, c'est à chier, ça nuit juste à mon quotidien. En tant que streamer, je vois pas comment tu profites de l'été. En tant que streamer à Paris, je vois vraiment pas comment tu profites de l'été. C'est juste une contrainte. C'est rien d'autre qu'une contrainte. Donc non, vraiment pas content. La saison, c'est uniquement bien quand il fait beau, qu'il y a du soleil, qu'il fait chaud et qu'il y a de l'oseille. Et qui fait nuit et qui a les étoiles. En fait, si t'es pas en vacances à profiter de l'été, c'est nul comme saison. C'est juste une contrainte. Donc non, ça me plaît pas du tout là que ce soit l'été. Excellent. Oui. Je pourrais rajouter un... Mais bordel. Un petit village là. Hop là. Pour augmenter l'attaque speed de E. Voilà. On pourrait... Il est dans la range ou pas? Ah, il est dans la range. Un super bro? Ouais, non. Non, je pense pas, mec. Oh, en vrai? Ouais, en vrai? En vrai, si tu sais quoi, je vais faire un super bro. Hibou Vénère. Merci pour ton abonnement, Hibou Vénère. L'océan n'a pas d'égal. Let's go. Un niveau. Tu peux mettre un village sans amélioration dans la range de l'autre village pour augmenter sa portée de rien, bisou. Ah ouais. C'est un truc de fou.
Pourquoi personne me l'a dit? Sabajou, merci beaucoup pour le poudre sub, mec. Salut à tous, vive l'argent, vive le capitalisme. Flex in the chat, bien dit ça. Ça, c'est des discours qui me parlent, ça. Balkany, désolé, je me suis emporté. Code créateur Team Chips pour la petite. Merci beaucoup, Balkany, pour tout ce que tu as fait pour la petite ce matin. Un grand merci à toi. Tu ne seras pas oublié, Balkany. C'est quoi, je vais vendre? Je vais même vendre le pauvre. Zéro argent. Il vaut rien. Ce maudit pauvre. Stop them. Ouf. Unleash the Kraken. Ouf. That's a oofer. That's a big ouf. Ça va mal finir, non? Ça va super bien finir, au contraire. Let's go! Récompense 800! Mérité! Yes! Et j'ai deux points militaires! Et boum! Et boum! Le défenseur d'élite n'a pas de temps de recharge. Attends.